Aujourd'hui, ses moyens sont limités, donc il fait avec l'équipe qui était présente déjà depuis la et l'effectif qui était présent depuis l'année dernière, mais il essaye de mettre des choses en place et donc j'espère pour lui qu'il y parviendra. Aujourd'hui, les résultats sont plutôt encourageants. Maintenant, je pense qu'il faut lui laisser un petit peu de temps pour imposer sa touche personnelle et que l'on puisse voir, j'espère, l'Olympique de Marseille en haut du classement.